aujourd'hui, l'idée, c'est de sensibiliser, mais c'est aussi d'informer le plus grand nombre de personnes, le plus large public, sur les baleines à bosse, les dauphins, les tortues marines, l'univers marin qu'on a. Et c'est pouvoir apporter le maximum de connaissances pour que les gens aient conscience des richesses que l'on a ici et puissent les observer avec le maximum de connaissances pour mieux comprendre pourquoi il faut appliquer une charte qui est aujourd'hui dans un arrêté et pourquoi il faut essayer de respecter tout ça pour respecter les animaux. Selon les différents animaux et la richesse qu'on a, c'est vraiment une richesse que tout le monde n'a pas et qu'on souhaite pouvoir avoir durablement pour nos générations futures. Et il est vrai que par nos activités, en allant les observer, il faut être vigilant d'éviter d'impacter ces animaux puisque ce n'est pas quelque chose de garanti sur le long terme. Donc on a des baleines qui sont là pour des saisons de reproduction, c'est des moments très importants et très sensibles de leur cycle de vie. Puisqu'elles viennent s'accoupler, elles viennent mettre bas.